إخوانا وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وطهاته الطاهرين، وعن الله عليهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. La suite donc des cours sur Wilayat al-Faqih. La critique. J'en suis arrivé à des phrases de Sayyid Khomeini concernant le modèle de la fonction du guide. Je n'ai pas grand-chose à dire dans ça, quand je vais lire les paroles, mais juste vous aurez juste à comparer avec ce qui est pour eux dans la théorie. Et ce qui est arrivé dans la pratique, hein. Dans la pratique, ou peut-être dans ce qu'ils ont voulu faire, et dans la réalité qui s'est passée dans ce régime iranien. Et la prochaine fois, dans la quatrième séance, je démontrerai une contradiction flagrante entre d'avis, une divergence flagrante d'avis qui existe entre Seyyed Khomeini et Khamenei, et on verra si effectivement, pardon, on verra si effectivement Khamenei, dans cet avis, a revu son discours, a revu son avis par rapport à Seyyed Khomeini ou non. Puis dans la cinquième partie, ce sera la fin, je donnerai le fatwa de Khamenei sur ces sujets-là, de Wilayat al-Faqih. Pour l'instant, je vous lis quelques paroles donc de Seyyed Khomeini sur le modèle de la fonction du guide. Le guide devant les tribunaux. Si j'aurais quelque chose à dire, je vous le dirai, Inch'Allah. Entre-temps, au début de l'islam, deux fois à deux époques, le gouvernement authentique de l'islam a été réalisé. Une fois à l'époque de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, l'autre, lorsque Ali ibn Abi Talib alayhi salam gouvernait à Koufa. C'est dans ces deux cas que les valeurs spirituelles régnèrent, c'est-à-dire qu'un gouvernement juste était en place et que le gouvernant ne contrevenait pas d'un cheveu à la loi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a rien à ajouter. C'est tout à fait juste. À ces deux époques, le gouvernement était celui de la loi. Et peut-être ne connaîtrons-nous plus jamais de la sorte la souveraineté de la loi. Un gouvernement où le responsable que l'on désigne maintenant comme sultan ou président de la République était à pied d'égalité avec la plupart des individus qui vivaient là. Ce qui est étonnant, c'est que comment on arrive à comparer un individu infaillible et le meilleur des prophètes, donc le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam Ali ibn Abi Talib, le meilleur de tous les imams, alayhi salam, infaillible, et dit maintenant, on le désigne maintenant comme sultan ou président de la République. Et la confusion est fréquente. Si nous cherchons dans comment ils envisagent de faire un État, il y a toujours cette confusion. Et même de s'attribuer l'attribution des fuqaha, des choses qui appartiennent aux imams. Et c'est encore plus important, et vous allez le voir, quand on discute de la wilaya mutlaqa, la wilaya totale, théorisée par Seyyed Khomeini. Et ça rejoint encore le mode de gouvernement qu'on appelle khalif, khalif chez Mukhalifin. Khalif pour eux est un individu normal. Et là, il est en train de parler du prophète et de l'imam, et il dit que l'on désigne maintenant comme sultan ou président de la République, à la Kulihal. Donc, était à pied d'égalité avec le plus bas des individus qui vivaient là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali alayhi salam. Cela existait au début de l'islam. Il y a même dans l'histoire une affaire concernant Amir al-Mu'minin, alayhi salam, à l'époque où Imam Ali, alayhi salam, était le gouvernant. Les juges étaient donc nommés par lui et que son gouvernement s'étendait du Hijaz à l'Égypte, à l'Iran et à bien d'autres contrées. Dans une affaire entre Amir al-Mu'minin, alayhi salam, et un yéménite, qui était donc un des sujets de l'Empire, le juge fit mandater Imam Ali alors que le juge était son subordonné. Imam Ali alayhi salam entra chez le juge et celui-ci lui voulut lui marquer du respect.
L'imam déclara, dans un procès ne marqué pas de respect pour l'individu, lui et moi devons être sur un pied d'égalité. Lorsque le juge eut tranché en faveur de Amir al-Mu'minin, ce dernier accepta de bon gré. C'est là un gouvernement de tous sont égaux par devant Allah, le Très-Haut, béni soit-il, aussi bien le gouvernant que le gouverné, aussi bien le prophète et l'imam que les autres gens. Je vous laisse penser si effectivement actuellement ça se passe avec le guide de la République irfanique. Ça, c'est dans un entretien de Seyyed Khomeini avec la radio-télévision allemande le 17-8-1358. Là, c'est les gires solaires, donc on ne sait jamais rien. Chaque fois, ils nous donnent les références comme ça. J'ai jamais compris pourquoi ils ne nous donnent pas des fois les dates égériennes, lunaires, qu'on pourra mieux se retrouver, ou bien le calendrier grégorien. Et d'ailleurs, en vérité, c'est presque comme si leur système des gires solaires est bon, alors qu'en vérité, soit on fait le calendrier islamique qui était les gires lunaires, soit le calendrier grégorien. Mais bon. Ça montre au corps qu'ils sont toujours différents de toute façon de nous, les Iraniens. Ça, il fait de nous en volume 10, page 168, 169. Et moi, j'ai jamais vu pour l'instant quelqu'un qui remet en cause ce calendrier. Il y a même des mois qui appartiennent au mois de Jahiliya, qui existaient avant l'islam, mais il n'y a pas de problème. Hein, les mois de l'égir solaire, il n'y a pas de problème. Aucun marja, personne dans les personnalités iraniennes, j'ai entendu des marjas qui critiquent ça. À la colère. Une autre phrase, le gouvernant islamique n'est pas connu comme les autres gouvernants, tels que roi ou les présidents de la République. Le gouvernant de l'islam est un gouvernant qui venait au milieu du peuple dans la petite mosquée de Médine et qui écoutait ce que les gens disaient. Ceux qui avaient en main les destinées du pays se rassemblaient comme les autres gens dans la mosquée, et leur assemblée était telle que quelqu'un qui venait de l'extérieur n'en comprenait pas qui était le chef du pays. Qui était un dignitaire et qui était un simple homme du peuple. Leurs vêtements étaient celui du peuple, leur comportement celui du peuple, et pour la justice, les choses étaient telles que si le plus petit homme du peuple avait une revendication à l'encontre du premier personnage du pays et portait l'affaire devant le juge convoquait le premier personnage et celui-ci s'y rendait. Et je vais commenter ça, c'est très important. Ça, c'est une déclaration de Seyyed Khomeini en présence de jeunes garçons et filles français à Neuf-le-Château, le 9 novembre 1978. Saïf En-Nour, volume 3, page 84. Je vous laisse penser actuellement, et même à l'époque de Seyyed Khomeini, comment ça se passait. Si vous allez à l'endroit de qu'il y a dans Adjamaran, c'est un endroit de sa personne, de sa où il y a sa maison, qui est dans les hauteurs de Téhéran, il me semble. Hein, c'est un peu en hauteur. Est-ce que c'est en montagne? Je ne sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, eh ben vous allez dans sa Hosseinia, vous verriez très bien, et c'est très connu, qu'il avait une porte qui donnait sur sa maison, il traversait une passerelle, il arrivait directement dans Hosseinia, dans un balcon, et c'est comme ça qu'il parlait. Et toutes les autres réunions qu'il a pu avoir, c'est des gens bien sûr sélectionnés et triés sur le volet, même s'il pouvait recevoir des gens, ça restait toujours avec une certaine sécurité. Ce n'est pas comme ce qu'il est en train de dire, c'est Khomeini, hein. C'est-à-dire comme quoi, voilà, il n'y a pas de problème. On peut penser qu'il vient du peuple, c'est pas du tout ça. Et pour Khamenei, quand on lui rend visite, bon après, peut-être que c'est Khamenei, c'était pareil, mais pour Khamenei, quand on lui rend visite, on a l'impression d'être dans un aéroport. Il y a tout un système, machin, de contrôle. Et ces gens ne sont pas abordables, c'est pas quelqu'un qui, n'importe qui, vient le voir. Donc encore une contradiction. Une autre phrase, n'ayez pas peur d'une autre, une autre, un autre exposé. N'ayez pas peur de l'autorité du docteur de la loi. Le docteur à loi ne veut pas faire violence au peuple. Si un docteur de la loi voulait se montrer violent, ce docteur de la loi n'aurait plus d'autorité. Il s'agit d'islam. En islam, c'est la loi qui gouverne. Même le plus noble prophète était soumis à la loi divine, et ne pouvait y contrevenir. Allah le Très-Haut béni, soit-il, déclare, si tu dis quelque chose en contradiction avec ce que je dis, je t'en ferai grief et je trancherai ton aorte. Dans le Coran, pour bien préciser, il y a une grande confusion dans ça. Quelquefois, on pense que ça s'adresse au prophète, et en vérité, ça s'adresse à d'autres gens. On parle de lui pour s'adresser aux gens. Comme par exemple, dans Abbas Awatawala, tu t'es renfrogné, Satan. Il s'est renfrogné, ça ne concerne pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est descendu, en réalité, contre Osman ibn Affan, qui restait avec des riches et qui ne calculait pas les autres personnes, entre autres un aveugle.
de la tribu de Bani Marzoum, si je ne me trompe pas. En plus, il arrive à dire que ce docteur de la loi voulait se montrer violent, ce docteur de la loi n'aurait plus d'autorité, il s'agit d'islam, même le plus noble prophète était soumis à la loi divine. Il a oublié, et ça peut-être soit il a oublié, soit qu'il rentre dans sa théorie, encore une fois, qu'il a où il a été chréé, la loi divine ou la loi du prophète, il n'y a aucune différence. Ce verset n'est pas là pour dire comme quoi, voilà, comme on le lit. Ça n'a rien à voir avec ça, mais bon. Je continue. Si le prophète avait été un dictateur, s'il avait été quelqu'un dont tout le monde aurait craint qu'au moment où tous les pouvoirs seront entre ses mains, il ne se comporte en dictateur, alors de la loi aussi pourrait l'être. Si le commandeur des fidèles, Imam Ali alayhi salam, avait été un dictateur, alors docteur de la loi aussi pourrait être un dictateur. Il n'est pas question de dictature, au contraire, nous voulons faire obstacle au dictateur. Vous recherchez bien et vous verrez par exemple l'oppression au début de la création de la République Irfanique envers Shariat Madari, qui était suivi par qui avait des millions d'adeptes. Et comment il s'est comporté avec lui, uniquement parce qu'il a rejoint le groupe du premier gouvernement de Mehdi Bazargan. Et il a manifesté dans la rue parce qu'il était contre l'attribution du titre République islamique. Et il a été réprimé à tel point qu'il était une personne très âgée. Ils ont utilisé avec lui les mêmes méthodes que dans le communisme des Russes que soi-disant ils condamnent tout le temps, puisque dans les slogans de la République islamique, c'était ni Est ni Ouest, juste République islamique. En le ramenant, un vieillard, en le ramenant devant la télé, en lui forçant de faire des aveux devant la télévision, avec une lettre déjà écrite à l'avance, où il est obligé de s'humilier. Et en plus de cela, de toute façon, il est décédé en résidence surveillée, Shariat Madari. Donc voilà, c'est ça, c'est la dictature. Donc là, le docteur Aloua ne pourrait être un dictateur. Il n'est pas question de dictature, au contraire, nous voulons faire obstacle au dictateur. Réfléchissez bien et voyez toute la contradiction. L'autorité du docteur de la loi est une autorité visant à ne pas laisser les choses s'écarter de leur cours normal. Elle supervise l'Assemblée, elle supervise le président de la République, qu'il ne fasse pas, à Dieu ne plaise, c'est-à-dire Inch'Allah, un faux pas. Elle supervise le Premier ministre, qu'il ne commette pas de faute. Elle supervise tous les appareils, l'armée, elle ne commette pas d'infraction. Nous voulons faire obstacle à la dictature, nous ne voulons pas qu'il y ait dictature. Nous voulons qu'il y ait le contraire de la dictature, l'autorité du docteur à la loi et l'antidictature, pas la dictature. Ça, c'est un discours qu'il a fait le 37 358, je ne sais pas à quoi ça correspond, de l'égir solaire, en présence de savants religieux. J'en termine avec une dernière phrase, et après, je vous laisserai. Là. Le docteur de la loi n'est pas un despotique. Le docteur à la loi qui a les qualités de ce titre est juste, d'une justice haute que la justice sociale, une justice telle qu'une simple mensonge le met en dehors de cette justice. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il serait infaillible, encore une fois. Et c'est les mêmes conditions qu'il dit pour les gens qui doivent diriger la prière. Donc ils doivent être imam Jumra, imam de la prière du vendredi. Tel qu'un seul regard sur une femme qui n'est pas mahram le met en dehors de cette justice. Un tel homme ne peut commettre de transgression, ne commet pas de transgression. Voilà. Ça, c'est normalement. C'est dans le livre Wilayat al-Faqih, page 40 à 42. La prochaine fois, je vous parlerai de la fonction de guide et le gouvernement. Et je vous montrerai une problématique qu'ils ont eue ensemble entre Khamenei et cette Roumanie. يكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله